Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le deuxième épisode d'American Fugitive. Pour rappeler ce qui s'était passé au premier épisode, donc on s'est fait arrêter dans la maison de notre père après l'avoir retrouvé mort. Donc on pense que c'est nous le criminel. Et on a retrouvé notre beau-frère qui nous aide à retrouver le criminel de notre père. Pour l'instant on a juste retrouvé la voiture et on va essayer d'en savoir plus. Ce bon vieux Dwayne, que l'on peut voir en fond d'écran, Dwayne le mec haïtien. Donc, qui est notre beau-frère. Et on a aussi rencontré une inconnue. Je suis où là? En visite de contact, 800 mètres. Eh bah, ça commence bien. Donc, du coup, on avait aussi croisé une inconnue quand on a volé la maison. On sait pas du tout qui c'est pour l'instant. Et je pense que, vu qu'elle est sur le fond d'écran du chargement du jeu, on va sûrement avoir d'autres interactions avec elle. Un petit bouton. Vous voulez pas vous déranger, désolé. Nickel, donc on va essayer de se choper une petite voiture. Donc pour rappeler, si on se fait prendre en train de voler une voiture ou quoi que ce soit, le jeu est assez sévère et du coup on est directement recherché. Donc là le mieux c'est d'attendre que l'alarme s'arrête. On voit qu'il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'il nous a vu? J'ai pas l'impression. C'est bon. Ouais, voiture un peu sensible. Donc pareil la conduite. Si on se prend une voiture, directement un accident à déclarer. Ouais, on va dire elle est costaud celle-là. Et par contre c'est pas valable pour les barricades. McCoy aime vraiment leur voiture, rends-moi un service et détruisons une. Donc McCoy c'était le mec qui nous avait tabassé en prison, avec plaisir. Tu te rappelles au moins comment cette querelle a commencé? On dirait qu'on a mieux à faire. Dois-je te rappeler qu'un de ces connards t'a envoyé une infirmerie? Retrouve la voiture de Paddy McCoy, c'est sa fierté et sa joie. Fais-la sortir de la route. Je suis un peu d'accord, on a peut-être un peu mieux à faire que détruire. Donc là on n'a jamais eu d'arme. Un pistolet semi-automatique fiable, idéal pour la légitime défense. Ok. Nice! On a un pistolet. Tirer, recharger, changer d'arme. Ok. Peut-être l'arranger, idéalement. Ok, nice. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va aller détruire la voiture des McCoy. C'est parti. Pas du tout, pas du tout.
c'est pas le moment là. C'est un bon premier pas. On doit les frapper à nouveau très bientôt. Ça marche. Moi j'aimerais juste, avant toute chose, disparaître. Deux étoiles. Chambre de motel. On va regarder, hein. Est-ce qu'on casserait la vitre pour se cacher? Allez. On va essayer de se casser tranquillement dans la chambre du motel. Mais non, quoi. En fait, dès qu'on rentre dans un truc, on se fait directement cramer, quoi. C'est... Hop, et on va se barrer vite fait. Hein. Toujours en robe. Ah nice, le fait qu'on soit changé fait qu'on n'est plus recherché. On va peut-être... On va peut-être partir pour pas se faire choper. Donc là on voit qu'il y a un flic qui doit chercher un peu les gens qui sont dans le coin. Ce serait cool qu'on récupère la voiture. Après je... Ouais, je pense que ça peut se faire. Ça a l'air de pouvoir se faire, hop. Donc on va retrouver le vieux Dwayne. Nice, les flics ne me reconnaissent plus. On passe incognito. Incognito. Je sais jamais où ce qu'il faut tourner. Et merde. Donc là en fait, je vais prendre une étoile. C'est super. Hop. Non, on déconne pas. On va pouvoir changer. Nice. Bon, attends, on va pouvoir aller retrouver Dwayne. Ah, c'est pas évident parce que chaque action est pénalisante, quoi. Ça, c'est un peu dur quand même, je trouve. On n'a pas encore utilisé d'armes. Ce serait cool de voir un peu des petites fusillades, voir un peu comment ça se passe. Je voulais te poser une question. Cette affaire McCoy, c'est quoi ton problème avec eux? C'est une bonne question. J'en sais rien. Ils pensent qu'ils gèrent cette ville. Ça m'emmerde, tu sais. Ouais. Il y a eu cette affaire il y a longtemps. Ce fils de pute allait se lancer dans le business avec moi. Ils m'ont trahi. Ils ont pris toute la part du gâteau. En fait, c'est un peu une sorte de vengeance. Ça allait être mon gros coup. Mais il ne s'agit plus de ça. Tout ce qu'on s'est fait l'un l'autre. Mais bon, ça s'arrêtera pas. Pas mal d'expliquer. Que ça soit un meurtre ou un truc dans le genre. Je ne peux pas laisser ça continuer. Il faut apprendre à pardonner, mon petit Dwayne. Je n'ai pas le choix. Il n'arrête pas de me harceler, de me barrer la honte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Moi j'ai envie de dire on va se faire respecter. Hein. Allez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est peut-être temps de les mettre en faillite pour de bon. Attends. Les flics, il faut que je... Calme-toi, c'est juste ce décérébré de Hank McCoy. C'est un flic bien sûr, mais regarde avec qui elle roule. C'est une visite personnelle. Dwayne, on sait que t'es là. On sait que vous avez... On sait ce que vous avez fait avec votre frère. Que vous sortiez ou non, ça n'a pas trop d'importance pour nous. On s'est dit qu'on te devait un petit quelque chose. Tire dessus, sans deck, sort de là et riposte. Ah, ça devient chaud là. Ah ouais, ça part en complètement en cacahuète. On découvre un peu le shoot them up version Texas. Nice. Donc là, on aura fait de la... Yoshi Parmentier des McCoy. On peut récupérer leur arme. Parfait ça. Nice. Ça a l'air pas mal ça. Ça commence à devenir sympa. Est-ce qu'on peut le ranger? J'ai ni vu ni connu le fusil. Ouais.
Tu savais pas que c'est notre ville, tu vas pas t'en tirer comme ça. Donc en fait, les flics sont véreux. On s'est fait arrêter par des flics, véreux pour l'instant. Et on débloque un petit buggy. Noise. Et bah voilà une voiture cool. Ah, il fallait juste que j'aille voir Dwayne. D'accord, ok. Donc pour moi, j'avais juste envie d'essayer le buggy. Le buggy est bien sympathique. J'arrête de faire de la merde. Pardon Dwayne, j'ai tout pété. Allez, on continue. Cet enfoiré donc McCoy, on se croit un touchable plus parce que c'est un flic. C'est vrai. Trouve la voiture de police devant que pendant qu'il est sorti déjeuner, éclate-la et remets-la où tu l'as trouvée. Allez, il ne veut pas lancer un mandat pour son arrestation. Tu penses que c'est le seul ripou dans la ville? T'en fais pas, c'est une question d'envoyer un message. Remorquer la voiture de police de Hank à la casse, broyer la voiture de police de Hank. Ok. Ça m'étonnerait qu'il nous laisse faire ça comme ça, mais... C'est parti. Est-ce que j'ai... Je peux pas manger une petite pomme là. Nice, voilà. Pas de full vie. Donc en gros, on est dans une ville de ripoux, quoi. Une ville qui est gérée par les McCoy qui sont des policiers. Je me demande où ça va. Pardon. Je me demande où ça va. Où ça va mener tout ça. Hop. Et donc, du coup, pourquoi les flics se font respecter alors que c'est tous des ripoux. On fait bien dans ce monde d'état contre eux. On va leur montrer qui on est. Alors, on passe ni vu ni connu comme ça? Ça se fait là. Nice. Donc là, on remorque une voiture de police, ça dérange personne. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est parti, on continue. La police qui s'en fout, réellement. C'est bon ça. À l'ancienne. La police t'emmerde, bah remorque la voiture. Alors là si je me souviens bien c'est par là. Oh non 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 non. Il faut se pousser aussi. Ah shit. Shit, ils arrivent. Poussez-vous s'il vous plaît. Ça va, on n'a pas l'air d'être trop recherché pour l'instant. Petite étoile. Alors, baissez les mains. Tac. Et si on mettait la voiture de police dans la broyeuse. Ouais. Allez. Nickel. Voiture de police broyée, étoile enlevée, on est bien là. Aptitude, on va se prendre un petit aptitude de sprint parce qu'on est un peu en galère de sprint, je trouve. On a des chances d'échapper d'une maison avec succès. Ah, ça j'aurais peut-être dû faire ça aussi. Régénère la santé, ça c'est pas mal aussi. Désarmer un adversaire avec une attaque de mêlée. Ouais. Réparer votre voiture, ça peut être cool. Réduire les dégâts, commencer la partie avec un détecteur de métal qui bip à la proximité des cachettes. À quoi ça sert, on sait pas. Ça c'est bien ça. Consomme automatiquement un objet lorsque la santé est basse, donc c'est pratiquement God Mode. D'où le prix. Augmente les dégâts d'attaque de véhicule. Repère automatiquement les bâtiments en vous en approchez. C'est pas mal ça aussi. Ok. On a pas trop fait les sneaky pour l'instant. Pour retourner le cube au flic. Nice. C'est vraiment la vendetta à l'ancienne quoi. C'est regarde ce que je t'ai fait. Donc là nickel, hein, c'est... On va directement voir les flics, on leur dépose leur petite voiture en cube au commissariat.
suis pas sûr que ça leur fasse plaisir. Hop. Mais bon. Ah, j'ai un pneu crevé. Pourquoi est-ce que j'ai un pneu crevé? Parce qu'on tente le raccourci. Alors, ils ont pas compris comment ça fonctionnait. Moi non plus d'ailleurs. Nice. Embarquer les... Oh, c'est juste génial ça. Bien sûr qu'on fait ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc après? On le ramène chez Dwayne. Non, je roule tranquille avec un métier mais personne ne me dit rien. Putain, incroyable. Dans les distributeurs de billets. Ah ouais, 2 étoiles. C'est pas par là. Oulala, 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 oulala. 5 étoiles. Ça part complètement en couille là. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de... Ok, ok, je sors. Oh, oh, oh. Ils sont fous, hein. Ouais, mais les mecs aussi. C'est n'importe quoi. Bon, la remorqueuse n'est pas encore... On n'est pas encore au point sur le... Ah non, on recommence dès le début. Oh, c'est dur. Ah non. Ah bon, on va devoir se retrouver des fringues. Hein. Et on a tout perdu. Ah non. Oh, c'est rude. Bon, bah du coup on va essayer de se refaire. On va essayer de retrouver des... On va essayer de retrouver des... Des fringues. Puis on s'en fout, ça. Bon bah à ne pas faire. Voler un distributeur de billets apparemment c'est pas encore trop accepté. Le problème c'est qu'il y a 0 fringues là. C'est quoi ça? Une côtelette de porc pourri. Nice. De quoi aller beaucoup mieux après. Ça va pas trop le faire quoi. Hop. Bon, je pense que du coup je vais arrêter cet épisode ici et je vais reprendre le suivant pour la suite de l'aventure. Allez, à bientôt.